Adjoremu Sarafo, c'est pas n'importe qui au Bénin quand on parle du football national. Je crois que sous son mandat, il y a beaucoup de lauriers que le Bénin a pu avoir. Maintenant, son retour sur l'échiquier du football national sûrement n'est pas anodin. C'est peut-être pour aider encore le foot béninois. Mais j'aurais aimé qu'il le fasse comme un sage. Que son arrivée ou bien son retour n'apporte plus d'autres difficultés. Qu'on ressente sa touche de celui qui s'est fait. C'est ça qui est important. Le reste, ça viendra. Si l'ex-président de la fédération revient, si c'est pour apporter un plus, par exemple pour le football au niveau du Bénin, il serait encore le bienvenu. Merci. Lorsque Angelo Moucharaf a annoncé son retour au football béninois national, ça, je voudrais l'applaudir beaucoup et je voudrais la féliciter, je voudrais l'accompagner. Pourquoi je dis ça? Ce que lui, il est en train de dire qu'il va retourner encore dans le football. Je pense que le football béninois voudrait se lever, se grandir encore. Et j'invite le président Moucharaf Angelé. Il est président, on ne peut pas dire qu'il n'était pas président. Il est président, ancien président. Et lorsque Angelé Moucharaf a dit ça, on va l'accompagner. Et Angelé Moucharaf, il voudrait montrer la mentalité qu'on fait, on utilise dans la fédération. Regarde, le match contre Nigeria et Bénin, Et dernier éliminatoire, c'est Angelo Moucharaf qui est là-bas. On va gagner, ça c'est forcé. Moi je sais, surtout que ça tire. Je voudrais dire la bienvenue de Moucharaf et que personne ne s'en prend à lui. Si c'était Moucharaf qui était président de la fédération face au Mozambique, si c'est... vous avez vu la CAN, il y a des pays qui ont joué la CAN. Le Cameroun est obligé de négocier certaines choses. Même après la CAN, certains se sont plaints contre certains matchs. Mais le vin est déjà tiré. On connaît la qualité de Moucharaf. Le football, sur la planète Terre, dans le monde, c'est la mafia. Et quand tu n'es pas dedans, tu n'es pas dedans. Tu ne restes pas dedans. Moucharaf, c'est son domaine. Ce n'est pas le domaine de Dejacus. Dejacus est venu rentrer dedans, mais du bas âge, Moucharaf était dans le football. Il a accompagné Adiagodo. Il a accompagné Guadamassi, Moucharaf. Il les a accompagnés tous. Ce sont eux qui ont amené Anjoré. Mais Anjoré a su jouer les cartes. Mais les gouvernants n'ont pas su gérer. Ils ont politisé les choses d'où le Bénin est en train d'aller en débandade ou bien en bas dans le football. Moucharaf connaît. Il connaît les rouages du football. Maintenant, on dit toujours... Un adage de chez nous, enfant, dit quand on ne peut pas négliger les anciens et continuer. Regardez, l'ancien doit appeler, doit recevoir le conseil des autres, même s'il a tous les moyens aguerris pour réussir sa chose. Il doit avoir un petit conseil quelque part. C'est parce qu'ils ont négligé Anjoré qu'ils ont eu certaines choses que le Bénin n'a pas appréciées. Mais Anjoré n'a qu'à venir dans le football. Il serait applaudi, serait bien accueilli, à moins que la politique politicienne l'écarte, le néglige, mais la suite serait encore là. Bon, s'il peut apporter son expérience et améliorer, parce qu'il avait déjà géré une fois, s'il peut améliorer encore, parce qu'il est resté un peu à la touche, s'il peut, à son retour, s'il peut amener encore d'autres apports, là, ça marche. Naturellement, quand on fait quelque chose, quand on va à la retraite, il faut accepter et laisser la place aux enfants ou bien les apprentis. Donc, si chaque fois c'est toi, c'est pas bien. C'est pourquoi moi j'apprécie le gouvernement actuellement, le gouvernement qui est là actuellement, j'apprécie. Il n'y a pas de la rupture. Donc il faut qu'on revoie là. Et il n'a qu'à aller s'asseoir et laisser la place aux jeunes. C'est mieux. Donc à mon niveau, de revenir pour faire encore quoi? Donc, il faut qu'il reste quelque part pour être président d'honneur ou bien sage, pour qu'il nous envoie des conseils et puis on va et le Bénin s'envole, c'est tout. Donc, je ne vois pas pourquoi c'est moi ou bien pourquoi c'est lui, toujours. Moi, je ne vois pas. Donc, il n'a qu'à
Il est déjà grand, il n'a qu'à laisser et nous donner des orientations.